Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et yop les petits potes, c'est Bricou, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, petite présentation de deck double fût les gars. Voilà, c'est comme ça canne, et vraiment cheaté ou pas. Avant que la vidéo commence les gars, très important, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et vraiment merci à ceux qui font, ça me soutient. Donc voilà, c'est pas compliqué, j'ai oublié de lancer le raid comme un bouffon. Du coup bah je suis en 6-1. Du coup on va se regarder les trois petits replays. Donc on est tombé sur un cochon réussi. Il savait pas extrêmement bien jouer, donc je vais vous la montrer celle-là en x2. Voilà, je vais la montrer en x2 pour que vous voyez la game un petit peu pour la gueule. C'était pas fameux. Bon, là je me suis pris ce pont, j'ai pas de mode de départ. Donc là je reconnais le deck, je me dis ok, bon. C'est du coup sur le CS, là je sais pas ce qu'il voit avec un système défensif. On a beaucoup de dégâts, du coup je mets la ressource au pont, il bûche, très bien. T2, logique jusque là, hein, vous allez me dire. La game a quand même duré longtemps, même si le mec savait pas jouer, le mec la game a duré longtemps. Là je sais pas ce qu'il branle, il met pas sa cage. Moi ça me va pour l'instant, elle a une petite Valkyrie, parce que je sais que voilà, c'est qu'il n'y a pas logique. Enfin face au pont, logique, on a une pression, il a plus de bûche à sa part en fuir gobelin normalement. Qu'est-ce que je branle? D'accord. Ah oui c'est vrai, je voulais toujours garder 5 pour de la T2, c'est vrai. Ok là il y avait une range, je sais pas pourquoi. Là mais l'esprit. Ouah attends, il y avait tant d'élixirs que ça, mais c'est des cochons, c'est fin tonneau là. Ok, il met une cage, ok. T'as besoin d'avoir les erreurs aussi. Bon. Le mec là encore, je sais pas pourquoi il bûche pas là. J'ai pas compris. Bon là mais forcément T2, bûche, il y a son séisme. Ok, jusque là, bon la logique, double fût. Il a son colis, il défend plutôt bien en vrai. Et je vais galérer avec la T2 sans dégâts en plus. Hein. Vous allez voir. Là je mets ma meilleure T2 ever. LOL. Et là je sais qu'il tente de faire bûche, je mets beaucoup de dégâts et là c'est la dépression pour gratter, j'ai pu réussir je crois, ça fait un peu longtemps. Là je suis obligé de full défendre et tout, relou. Là je me fais gobelin, il va ah, il colis pas. Si ouais il colis mais en retard, mais il est mis 6 4 au bon endroit donc il a de la chance. Et là voilà, on collecte un petit coup, on va cycler les chebus tout simplement, donc on va juste défendre. Et voilà, bon, le mec savait pas jouer donc ça va, mais voilà, bon. Première game assez simple, là on va passer sur la game plus compliquée, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je le sais. Contre un Molos. Alors Molos, la connerie que j'ai faite c'est mettre des princesses au pont. Je sais pas ce que j'ai branlé mettre des princesses au pont, mais voilà. Du coup, voilà, regarde en France elle par contre. Hop. Donc là, moi je me dis mineur, ça peut être quoi? Ça peut être mineur, ça peut être des decks chelous, parce que pour l'instant on a affronté quasiment que des decks chelous. Il flèche bizarrement, je me dis ok c'est pas un bon joueur, je mets une princesse, il met des portugais. Ouais, je sais pas ce que c'était encore. Hein. Là, je me doutais sur quoi ça me donc je me branlais sur la canne un peu bêtement. Et là, vous allez voir, il a fait un truc un peu de génie en fait. Vous allez voir dans la game, de toute façon, mais voilà. Donc là, au renfoncement, j'ai une pression logique. Là, je connais toujours pas le Molos. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là, vous allez voir l'erreur que j'ai faite. Et là, je suis vraiment con, mais c'est chiant, un bouffon d'en faire ça quoi. Genre là, il met une Molos sur le map et je mets pas au pont là. Alors je sais qu'il a des flèches hein. Bon là il assume les coups, il a deux, logique. Là ouais je mets une T2 au pont. Du coup je me dis voilà j'ai gommé sur la canne, il n'y a pas encore 6 flèches. Pour moi il manquait une carte là hein, c'est pour ça. Et là du coup comme un bouffon je mets un masque dans les flèches et là. Oh la catastrophe. Je me dis c'est pas grave, je défends tu vois. Ok je lui fais le squelette. Allez c'est ciao. C'est tout simplement ciao, il n'y avait pas d'autre solution, c'est tout simplement ciao. Là j'ai plus de tour, moi j'ai pris la tour facilement. Voilà, là 300 HP, bon ça je me fais un gobelin et c'est tu vois la tour reprise, donc ça va tu vois. Jusque là ça va. Et là je vais faire la même connerie je crois, il me semble. Ouais, regarde, je remets une prince au pont, mais putain mais j'ai quoi dans le faussaire? Putain le mec il a pas Molos mais... Voilà, forcément, je me dis, ok, là, il va sûrement Molos. Donc, on va éviter la connerie, enfin, éviter Molos, du coup, je mets un muscle au poumon. Et elle préférait pas flèche. On va laisser prendre sa tour, ça me va.
Voilà, il, alors là, là il flèche, donc ça me va, il rate ses flèches en plus, donc on a de bons dégâts. Et je te dis, ok, c'est pas encore perdu, tu vois. Biago c'est autour du roi, là il met Molosse. Voilà, ok. Et là, là les gars, la connerie. Si je mets la masque beaucoup trop basse. Et du coup, bah, le D2, voilà quoi. Dépression. Je mets une princesse. Mais les flèches. Là j'ai bugué, là j'étais en mode je fais quoi là. Je sais pas ce que j'ai pour là, mais t'as une belle qu'il a, mais vas-y. Bah ouais, je peux un truc sûrement un truc tout con, tu vois. Genre j'ai juste mal joué, je mettais des princes au pont, je sais pas ce que je prends. Bon, c'est pas grave, c'est là my bad un peu. Son star counter. Et là ce mec, je sais pas ce qu'il a fait avec son deck, c'est dit squelette, un squelette, gargouille, un dégagouille, et j'aime bien ça. Du coup il a fait son deck. La mettre en fois 2 c'est là parce qu'elle est pas ultra intéressante. Mais et ouais, ouais. Du coup, voilà, petit chebu, tranquille. Pour l'instant, je fais pas chier. Hein. Voilà, là, je découvre le deck, je sais pas ce que c'est un géant. Là, pour moi, c'était géant cimetière, là, il sort un ballon, j'étais en mode what the fuck. Bon, la défense, il va quand même rester clean. Flèche beaucoup trop tard, il y a un saccade qui revient, donc ça, ça va. Bon, là, je sais toujours pas ce qu'il y a juste un pré-shot bûche. Bon, il y avait derrière, c'est relou. Logique, je défends pas. Est-ce que je prends beaucoup de dommages? Enfin, je prends pas beaucoup de dommages. Et là, je vais prendre ce pont comment? Je vais prendre 16 comment bouffon. Je te mode. Ah! Il a géant, il a hors de gargouille, géant de gargouille. Voilà. Bon, ça va, j'ai réussi à défendre. Le mec, il avait ses flèches. Là, il gèle, mais j'ai plus tout. Hein. Oh, mais il aurait gèle, mais j'ai plus. Il a pas juste son gel de la game, hein. Petit spoiler. Là, je bûche, logique. Ok, voilà, je défends pas normalement. Là je vais processer son map, logique. Là je vais dans le squelette, j'ai oublié qu'il avait un ballon ici, je bouffon. De votre squelette, ok, voilà, voilà, tranquille. Là j'ai 4 bien, mais 3 trous de fragile flèche, parce que c'est pas tout flèche. Et là, voilà, c'est full spam, hein, là, Inch'Allah, comme c'est des bretons. Et voilà, on va aller simplement prendre la main sur ça. Le mec, je sais pas trop ce qu'il a fait avec son deck, bon, c'est pas grave. Il nous manque 2 petites games pour chercher les 8 victoires pour faire la dernière vidéo avec un petit vous allez voir en fait vous allez voir demain, voilà, tout simplement. Je vais vous laisser découvrir et puis on se retrouve pour la prochaine game. Prochaine game contre Fly Rider. Allez, c'est parti, petit feu comme là. C'est la carte que je vais tester demain, ça, les gars, pour savoir, si vous voulez savoir. Intéressant, donc cimetière. Non, il connaît le placement. Ok, donc lui il a une tombstone. Elle va mettre une bûche, je crois que la bûche sur le chat, hein, non, il me semble. Ok, ouais, pas du tout. Ok, elle va mettre un fil gobelin. Je crois qu'un tour droit déjà activé, bon, bref. Ok, petit gobelin sur ma canne. De toute façon, on a la T2, hein, s'il met un truc. Ah, il a poison ou pas gel. Ok, normalement ça va, j'ai pas besoin de plus défendre, enfin plus de mettre. Ok, princesse au pont. Bon, je sais qu'il a poison et pas gel, déjà ça m'arrange. Je pense, hein, ça m'arrange. Hein. Ok, on va continuer à mettre la pression, on laisse pas respirer. Il reste forcément son placement. Ok, il est un fieu.
Ouais, c'est chiant là. Là, le mec, t'as un affût. Bon, du coup, il a pas dit Wiz. Ah, mais il a un bâtiment aussi. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? C'est un splasher classique, je pense. Parce que pour moi, c'est Cimetière Gel en fait, c'est pour ça. Ok, donc du coup, je vais le deck. Voilà, Valkyrie, Fu, Tornade, bâtiment. Bon, pour passer, j'ai pas vomito, les gars, c'est la merde. Ok, hop. Désolé pour la petite notification. Petit chebu ici, hop, tranquillement, voilà, petit prince au pont toujours, hein. Ok, bien, bien mal ça. T'es deux qui fait son taf, ouais, t'es deux qui fait son taf, hein. Ok, on va juste défaire comme ça, canne, et il prend poison en plus. Hop. Ok, bon, je me doutais, ouais, il met beaucoup d'élixir, il met beaucoup d'élixir, on va mettre une T2 ici. Je pense que ça va bien protéger mon gobelin sur la canne, parce qu'il est bien relou. On va mettre un deuxième, hein. On va mettre un deuxième. Hop. Ouais, les dégâts qui ont été augmentés, ça se voit, hein. J'ai pas vomito. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui est en train de faire une masterclass, là. Là, il est en train de tout clear sur la map, là, depuis tout à l'heure. Abusé. Ok, bon, bah, nice, hein. Moi, je dis que sur la canne, il va encore tout gérer, donc on va mettre une T2 ici. Hop. Là, on a une fribuche, ça me va. Allez, on la prend. Hop. Ok, bon, on va attendre un petit peu, dès que ça s'amène, prends ses saupons, instant, hop. On laisse pas le temps de respirer. Ouais, il s'en doutait, hein, je crois qu'il s'en doutait. On a la T2, hein, qui fait son taf, normalement. On va tout simplement en mettre une. On est en train de gratter fou le poison, il commence à me saouler, j'aime beaucoup. Ok, on va les mettre bien la resquette ici. Ok, on va les mettre la petite chebu en plus. J'arrive pas à gratter, hein, il a fui plus 700 milliards de trucs, c'est relou un peu. Hop. Hop, on va mettre la pression. Là, il faut garder une bonne pression, je pense. Ok, ouais, il a bien joué. Je pense qu'il faut que je le mette, faut que je mette bien. Il a pas l'air de savoir, enfin, il a plus l'air de vouloir tenter le full clean. Ok, merde, j'ai bloqué un poteau peut-être. Bon, on va mettre la pression directe, hein. On va mettre la pression directe. Ouais, il met beaucoup d'élixir, mais je peux pas punir, ça rend fou. Je pense qu'il faut que je mette un peu plus d'élixir au pont. Bien protégé, très important, hein, protégé. Là, il a plus son poison, ça peut être pas mal. Il a plus le fût non plus, ça peut être pas mal, ça, encore une fois. Là, on va mettre une bonne bûche ici. Voilà, bon, voilà. Là, on commence à bien mettre, on commence à mettre une bonne pression, ça, c'est plutôt cool. Bien évidemment protégé, hein. Hop, très important de toujours protéger la princesse. Hop, on continue à mettre une pression. Hop. Il faut continuer à mettre la pression, même si Cimetière, c'est pas un bon matchup, hein. Vraiment, Cimetière poison, c'est la merde, hein. Le mec, en plus, il a fui plus 10 milliards de choses. Ah, le mec, il a trop de trucs pour défendre, c'est abusé, le matchup que je me tape. Ouais, bon là, vas-y, un peu my bad, ça. Hein. Un peu my bad. C'est vraiment très compliqué, hein. Cimetière poison, le mec, il avait fût, tornade, Valkyrie, bâtiment, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup de counter. Ouais, c'est dur, hein. Là, la game est très dure, j'avoue que là, c'était pas vraiment mérité. Allez, contre Kaneki, 2.0. Ok, allez, petit bridge spam. Ok, bon, on va mettre un petit fuit ici. Bon, mais on va bien le mettre, puisque là, on sait que c'est du bridge spam. Donc, là, je sais qu'il a absolument rien pour défendre mon fût. Ça va être trop lourd pour lui à défendre, genre, le fût. Il va gratter à blinde. Alors, okay. Oh, on a mis déjà énormément de dégâts. Ok, on va laisser connecter, j'ai pas trop le choix sur ça. On lui fait utiliser son zinc, comme ça, moi, il l'a plus pour mon armée squelette. Ok, poison. Là, s'il est pas trop con, il a... Oh, il a rendu électro sorcier. Ok, il va bien mettre la T de basse. Ok, si on a l'armée squelette ici. Hop, voilà, tranquillement, pour défendre la voleuse. Voilà, nickel. Donc là, il vient d'utiliser absolument cette élection dans le ventre, donc ça, c'est cool. On va profiter de la T2 pour mettre une princesse, comme ça, j'ai pas besoin de redéfendre derrière sa troupe. Voilà, exactement. Est-ce que ça tourne? Ouais, ça tourne, nice. Hop, nickel. Okay. A prendre quelques dégâts, mais c'est pas trop grave.
Je crois que je vais... On va voir si ça marche le placement. Gobelin Sandwaken plus Chebu. Ok, j'ai clairement raté la bûche, c'est pas grave. J'ai mis trop tôt mon Gobelin Sandwaken et j'ai raté la bûche. Ok, mais deux coups, c'est plutôt pas mal. On va continuer à mettre la pression, le pick-up et le chemin, on laisse pas s'installer. Ok, de toute façon, on a normalement notre armée de squelette ici, même si je sais qu'il a son zap. On va assumer la connexion, c'est pas trop grave. Waouh, pour quand même très cher, hein. Waouh, c'est mieux mal, hein, cette merde. Ok, nice. Le gobelin qui va nous mettre à portée de bûche, ça c'est plutôt pas mal. Là, j'ai. Ouais, j'ai pas le choix. Oh, attends, nice. Une bonne venue là de Valkyrie. Hop. Parfait. Après, c'est ce pont, c'est parti. Là, on va pas laisser s'installer encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit. Très important de pas laisser s'installer. Le gobelin sur le bacan ici. Hop. Petite chebu en prime. On a la T2 ici, hein, pour aller à. On va prendre le reset. On a l'armée squelette s'il y a besoin. Voilà, exactement. Mais c'est là, son zap, c'est pas grave. J'ai raté ma bûche. What the fuck. Ok. Je savais pas. Ok, on met le fusil squelette ici en prime. On va essayer de garder une pression constante. Voilà, je pense qu'il pense que je peux pas l'atterner la tour alors que en fait il n'y a plus de tour hein. En vrai de vrai. On a la T2 ici, sauf quand il n'a pas de foudre, la T2 va rester en vie, va casser les couilles. Et là il a tout simplement un rush kick la game, pas du tout. Pas du tout, on a pris la game, donc ça c'est plutôt cool. Ok. Allez, on part directement dans cette dernière game de la vidéo là, on va essayer de la vite pour que demain je puisse terminer le super défi. Ok, on se retrouve pour la prochaine game. Ok, c'est parti contre Doorkeeper. Bah là, parce que t'es au fond, hein, j'ai que ça à faire de toute façon. Ok, on est contre un double fus, ça fait plaisir de l'affronter. Bon, j'ai clairement raté mon placement encore une fois. Normalement, le gobelin va aller focus la princesse, ça peut être pas mal ça. Pas du tout. Ok, lui il a des gardes mais pas dans mes squelettes. Normalement, du coup, le gobelin Sandwaken qui touche la princesse, logiquement. Voilà, exactement. Il a plus de chebu. Hop, on va mettre la pression directement. Et il va devoir les défendre comment? Ça, c'est la bonne question. Valky, il rate son placement, alors ça c'est cool. Là on va les mettre à la T2 pour éviter la princesse au pont de l'autre côté. Pas trop loin. Hop. Ah, ok. Ok, il commence sa bacane. Il était pas venu sur la bacane, puisqu'il va se faire tuer par la tour. Et là on sait qu'il a une bûche, donc on peut aller mettre le placement bait. Une belle boule de feu qu'il a mis, c'est faux. Ok, donc il a boule de feu bûche, donc il a pas quoi. Ok, donc il a pas de fusquette. Ok. Pourquoi pas. Why not. Ok, petite princesse au pont. Ok, il met des gardes au pont. On va les mettre défense avec le gobelin Sandwaken. Ah, du coup, il touchote les... Ok, ça me va. Au-dessus de l'armée squelette, donc c'est pas grave, je peux bûche. On connaît les placements de Valkyrie, on va les utiliser ici. Hop. Et là, on sait qu'il a pu sa bûche, normalement. Voilà, je notais qu'il a tenté le placement. C'est exactement pour ça que j'ai mis devant, donc là on met la T2 tout simplement. On va pas s'embêter. Hop. J'ai dit hop. Parfait. Là je pense qu'on peut tenter une princesse au pont, ça peut être relou. Ok, on va aller mettre le gobelin Sandwaken bien ici pour aller tuer cette T2. Hop. On a la bûche, de toute façon c'est pas trop grave, ouais nickel. Ça c'est bien chiant. Ok, on a mes squelettes. Hop. On aurait pu faire le placement, c'est pas grave. Why not. Oh my god. Ok, allez. Hop, mes tissus, plus princesse. Est-ce que ça peut te faire revenir toucher la tour? Ce serait incroyable hein, quand même. Ça serait un niveau deal de ce moment. Dommage qu'on n'ait pas réussi. Ça donne un petit peu avant de bûche, voilà exactement pour ça. Ça en a tout dedans. Ok, c'est bien joué, mais bon. On aura quand même pris cette win assez facilement. Hein. On a bien plus fort que lui au Lockbait.
C'est une certitude. On allait prendre simplement le deuxième tour. Bon les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu malgré mes deux défaites. N'hésitez pas à dire le deck que vous voulez que je fasse. Et puis voilà, c'était vraiment cool. Ciao.